Assalamu alaykum mbolom mo ngi ni ku nek ci touré nak santam djéglu mom du doy donc djéglu ci tardé parce que lolé ni tam def vraiment vous nous donnez des leçons de ponctualité merci beaucoup bi len ma saw yeen journaliste yi ci métit yi ak tolof tolof yi dal seen collègues. D'accord, on parle souvent des politiques parmi les victimes. Les victimes sont plus nombreuses. Les victimes sont plus constantes. Nous avons des journalistes qui sont blessés. Nous avons des journalistes qui sont maltraités. Vous restez dignes, fiers et vous assumez. Merci. Car nous sommes très fiers de vous. Nous avons des solutions parce que nous avons des solutions. Parce que quel est le problème que nous avons fait? Et vous en payez le prix, et il est parfois très lourd, et malgré tout, nous avons le numéro de. Vraiment, bravo à vous tous, nous sommes fiers de ce que vous avez compris, que vous avez compris que la démocratie Sénégal, il y a une prière pour nous donner ça, pour nous donner l'homme. Donc, bravo à vous. Mais il y a sur ma carte de notes, di massawu ak diale diale suñu wëjju suñu kilifa yi fi jogé wax nañ ko légui serigne bekay khalif général ndiassa yalna yalla yok leeram xarefa aljana ah di ndokkel ki nga xamni mom lañu def khalif te muy soga tok di diale aussi imam bashir di imam yakibu laye grande mosquée Blaye. Imam Bashir était un homme pieux, un homme de dignité qui a vécu dans la réclusion de son fait pour Dodo Aduna. C'était une manière pour lui de nous faire comprendre que Aduna vit, amna nous fidjar l'yenni. Nous nous Dodo Aduna, ben y'a la tête du collègue, modèle aussi que nous, l'Iguba, 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 l'apawar, c'est le mouguna rafet. Donc, du diale Khalif général de l'Ayen, du diale porte-parole, du diale Djabotam, Imam Bashir. Du lien diale aussi communauté l'Ayen, parce que nous sommes communauté Bobo, nous sommes sur nous sommes sur le monde, depuis sur une Ablaye Balegui, Imam Moussa, Mohamed Wachene Ligue. Lolo dañ koy netti lu atef sante yalla parce que yalla mom dem mom mo koy décider comme que biñu tagu na te biñu wax nan la koy defé kañ la koy defé ku mu jël rek dañuy sante yalla te diko ñaanal donc imam Moussa mi nga xamné mo daan jotali kaddu depuis serigne Ablaye Thiaw ba légui te wacc liggéey yalla ko yalla xaré aljëm di jaalé ñepp ñi nga xamné ci li ñuy dund nak ci mbirum aduna ci politique bi véritablement ñu ngi ci ñak seeni bakkan ñu ngi ci amé blessure ñu ngi ci amé torof torof ñu ñepp ci comprendre que c'est de vrais sénégalais c'est de vrais démocrates ñu xex ngir seen rew ñi xex ngir seen askan donc ku nekk ci ñom muy ñi gaño Dakar ñi gaño Jigen Sor ku nekk ci ñom ñoo ngi massawu seen njaboot seen wayjur seen mbokk ak seen camarade wax nañ ko légui jamono bi mo doy waar on n'avait pas pensé que bi ñuy génne 2011 dañu bindaat li di taxawaat obélisque di xeex nekk fi di xëccoo di waxoxu troisième mandat je crois que ça interpelle tous les politiques man ak sama morom laa ci yemale. Il faut que nous comprenions que nous n'ayons pas de décrédibiliser ce qui est. Parce que dans les gens qui nous ont dit que nous avons fait ça y est, une politique de Bédara, de Wahawak Bobutoy, surtout les moments où nous avons fait. Parce que si nous faisons fait en 2011, et son cortège de morts, de blessés, d'emprisonnés, on ne revivrait pas 2023, ni plus. Lolu mom moy li am solo et je pense que c'est ce que nous devons retenir comme principale leçon
ci nga xamni mom ni ñu dund actuellement ci ñu réew. Et c'est pour ça désolé parce que c'est terrible qu'on en arrive là que ñun ñi di dé ko fébar parce que rek troisième mandat mi ñu parce que rek nit ki wax na baña respecter cadom c'est vraiment un problème suma kaddu nak bu ci guddé dama am rek ñaari message yu mu bëgg wax bu jëkk bi moy li ñi xex dañ koy xex pour chacun de nous pour la démocratie parce que ci démocratie kenn amul droit de tan ñi nga xamni ñoy doon candidat ak waru ñu doon candidat c'est ça qui est nouveau dans le jeu politique sénégalais depuis 2019 on a coutume maintenant nan ki dina bok ki du bok exemple et tous les démocrates du ci bok yewi ñu ñun ñep suñu xex ben la moy ñun ñep ñoy bok ñeppay bok ñepp war bok ñepp war de muti le suffrage des sénégalais et ça il y a une unanimité de toute la classe politique sénégalaise avec la société civile moy suñu xex bi jëf faut pas que nit ñi faté lolu ñepp ño wara bok kenn rek mo warul bok kenn rek mo warul bok kenn rek wax na leen ko waxat na leen moko gëna xam ñi Macky Sall donc président Macky Sall rek mo warul bok mom warul bok on le criera jamais assez mom warul bok waxon nako mani dañ koy fatali rek la mo xol diko fatali mer gadu 2011 dafa nan suñ ko rappeler lo lepp dana tax ba xeyna dana dal dalo ci xaram donc mom warul bok ñepp dañu war bok cheikh fatali nako legi li détenu politique nombre bi ñu am mais c'est exorbitant c'est inacceptable il faut que ñu yéwu leen il faut que ñu libérer leen parce que loolu mooy li am solo ñëpp yoo xam ne day jàllankooru si candidature yi parce que xam ne ñëpp bokk déposer candidature ba pare kenn du jàll c'est pas la peine parrainage bi il faut que ñu dind ko parce que parrainage bi c' est une sélection qui dit à son nom surtout que les modalités yëpp ni muy demee kenn d' accord wu donc question yooyu ñun ñëpp ñoo ci d' accord pour que ñu libérer nag tous les détenus dañu fekke procès suñu député yi yëwi vraiment on était triste triste parce que pour la première fois l'hémicycle de l' assemblée la fa xew nga xam ne dañ ko daan préserver ñu dund ko parce que su fekkoon principe yi nga xam ne noonu la assemblée doon doxe respecté nañ ko suñu ñaari camarade yooyu duñu dem kaso parce que amuñu droit dem kaso et surtout nag li ci naqadi mooy bu ma déggee ñu naan flagrant délit Habib si daf may tooñ toujours naan PS moo fi inventé flagrant délit continue mais ñëpp xam nañ ni flagrant délit c' est inscrit dans un temps déterminé biñ leen di jàpp ak yóbbu boobu flagrant délit amatu fa jaay doole faam donc ñoom et tous ces centaines de jeunes garçons et filles et de femmes yi ñu yóbbu kaso dañ leen war a génne loolu mooy li am solo may daaneele ci sama ñaareeli kàddu mooy yéwi yéwi askan on appelle tous les sénégalais à manifester le 26 li ko indi c' est pas que on n'est pas conscient des enjeux nous sommes mus par le respect de la pertinence et de l'opportunité du combat malheureusement dañu am contrainte parce que su doon suñu sago balaa Ousmane Sonko di dem procès ñu def rassemblement boobu loolu la ñu bëggoon moo taxoon ñu def le 19 ñu xalaat ni est ce que mën nañ ko def fii ak le 22 ba le 22 la ñuy jugé suñu député yi soo ko bëggee def le 21 xam nga yaa lay délai logo te am na délai am na série bii dugg ci donc bala ngaa déposé ak temps biñ koy étudier malheureusement da ngay weesu le 23 pour que les sénégalais comprennent que ce qui importe pour nous c' est que soutenir Ousmane Sonko se battre pour qu'il ne soit pas la troisième victime de la liquidation des candidats mooy lu ñor ñun ñëpp amul xajj amul seen
les gens le font franchement, sincèrement, entièrement, pleinement. Je nul n'a but et que nul n'a mignon. C'est la démocratie sénégalaise mon fédéral. Nous devons y être, mais nous avons une obligation. Nous devons nous utiliser dans l'Union. Nous devons un pays qui a fait un troisième mandat, qui a fait un article 80, qui a fait un journaliste, qui a fait un politicien.